Frater est une entreprise familiale créée en 1964, active dans le secteur agricole d'abord, avant de s'attaquer aux voiries, à l'égouttage et au terrassement. En 2011, l'entreprise change de main. De 12 personnes, elle passe rapidement à 26 collaborateurs. Elle exerce toujours ses métiers d'origine. L'entreprise est spécialisée dans les domaines des abords de bâtiments, des poses de conduite d'eau, de poses de canalisation type égouttage, collecteur et de réalisation de voiries. Parmi les priorités des nouveaux gérants, obtenir de nouvelles certifications en vue de développer de nouveaux marchés. Donc depuis maintenant 2 ans, nous sommes dans une démarche de certification tout d'abord en sécurité avec l'obtention d'un certificat VCA depuis l'année passée, donc septembre 2013. Nous avons d'ailleurs eu une recertification en 2014 qui s'est passée tout à fait correctement. Et l'objectif pour la fin de cette année est d'obtenir la certification ISO 9001. Depuis la reprise de l'entreprise en 2011, le chiffre d'affaires a été multiplié par 3 grâce notamment à de nouveaux partenariats. Depuis maintenant 2 ans et demi, nous développons des partenariats avec des entreprises reconnues sur la place publique, ce qu'on appelle des majors, des entreprises du type Franquise, Trabac, Thomas et Piron, Louis de Waal, BPC, qui aujourd'hui nous accordent leur confiance et nous permettent de nous développer sur ce marché. Entre autres projets ambitieux de Frater, la construction d'un centre de traitement. Aujourd'hui, nous sommes sur un site ici de 5 hectares et demi que nous voulons valoriser. Ce site dispose de tous les permis d'exploitation pour y mettre un centre de traitement autorisé. Et donc l'idée est effectivement de développer cette activité qui est à la fois utile pour l'entreprise, mais qui pourrait être à la fois aussi également utile pour d'autres entreprises de la région. L'entreprise investit en permanence dans l'acquisition de nouvelles machines. Frater réalise un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros.